heureux d'être là, mais aussi très mal à l'aise d'être là, parce que d'une part, vous allez voir, c'est un ouvrage qui est collectif, donc je ne suis certainement pas tout le collectif, et d'autre part, dans la présentation d'un ouvrage, c'est toujours un peu délicat, d'une part, on ne va pas faire marchand de tapis, et d'autre part, on ne sait pas nécessairement savoir ce que les gens attendent, en fait, puisque certains d'entre vous ont peut-être déjà eu juste un coup d'œil sur le bouquin, d'autres pas du tout. Et j'ajoute une troisième raison après vous avoir écouté vous présenter. La plupart d'entre vous, et je pense que je fais partie aussi d'entre nous, on travaille souvent dans une logique de terrain. Et là, vous allez voir, on va rentrer un petit peu dans les étoiles, mais c'était voulu un petit peu. Donc, je vous préviens d'une certaine façon qu'on sera peut-être loin de la réalité un petit peu grise et très humaine qu'on connaît, pour essayer d'être à un autre niveau, mais je pense que ça peut justement, l'aller-retour peut nous aider, et le livre qui a un petit peu de ça. Pour préparer ça, et donc ne sachant pas dans quel sou je mettais les pieds, je me suis dit, ce qui serait peut-être le plus intéressant, c'est en fait de dire ce qu'il n'y a pas dans le livre. Et donc de vous expliquer un petit peu pourquoi on est arrivé à ce niveau-là, en sachant qu'évidemment, on pourra discuter d'éléments plus spécifiques de contenu, sans aucun problème, sur base de ce que vous souhaitez. La couverture est là. Et probablement, comme dans tout mon livre, le plus important, c'est le contenu. Et on va y revenir. Donc voilà un livre assez classique, puisqu'il y a un nombre de chapitres. Ce n'est pas un très grand livre. Mais d'où est-ce que tout ceci vient? C'est un livre qui a vraiment commencé dans la pratique, avec deux éléments, plus ou moins contigus. D'une part, le Gémil en Belgique que j'évoquais il y a quelques instants, et donc pour redire quelques mots sur le Gémil, on est dans les années en 2011, c'est l'époque où la Belgique n'est pas encore aussi forte au football qu'elle n'est pour l'instant. Les métaphores de football sont toujours très mauvaises puisqu'elles sont très genrées, mais qu'importe, c'est l'époque où la Belgique est en crise, donc sans gouvernement fédéral, et c'est une époque où ça dure assez longtemps, donc une vraie crise politique, puisque par ailleurs, personne n'a encore égalé le record de l'absence de gouvernement comme la Belgique ne l'a fait. C'est un moment où commencent à sortir quelques initiatives citoyennes. Pour les personnes qui connaissent bien la Belgique, on a parlé à un moment donné d'une révolution des frites, et donc il y a eu un mouvement de se dire, il y a quelque chose franchement qui bloque, on n'arrive pas à comprendre pourquoi des hommes et des femmes politiques qu'on a élus n'arrivent pas à se mettre ensemble, à se mettre d'accord. Les politiciens avaient des bonnes raisons pour l'expliquer, les commentateurs, etc., mais c'était fatigant pour tout le monde. Et derrière ça, il y avait aussi un volet aussi de se dire, est-ce que c'est pas au-delà de la Belgique, c'est pas la démocratie tout simplement qui est en crise? Et puis, bon, le vocable de crise fait évidemment rougir certaines personnes, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais il y avait cette idée-là de, il y a un problème peut-être plus fondamentalement, c'est pas un problème uniquement belge, c'est un problème du système. Et là, assez rapidement, et je vous disais, je suis à la fois jugé parti, donc parti parce que j'ai pris part aux réflexions, et juge parce que c'est mon métier finalement de regarder des processus. Avec quelques autres, on commence à réfléchir en disant, eh bien oui, ça vaut la peine de faire quelque chose, et dans tout le débat qu'on a en Belgique à ce moment-là, ce qu'on ne voit pas, c'est que finalement, que les citoyens eux-mêmes pourraient avoir quelque chose à dire. Certes, ils ont voté, et une des raisons pour laquelle il y avait une crise, c'est qu'au nord du pays, les citoyens avaient voté pour certains types de partis, au sud du pays, pour d'autres types de partis qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord, mais que les citoyens, on pourrait les mobiliser. Et l'idée du G1000, qui à la base s'appelle pas G1000, c'est de se dire, à un moment donné, à Bruxelles, on va réunir des citoyens qui viennent un peu de partout, et pour leur permettre d'échanger ensemble sur des thématiques de société que d'autres citoyens, suite à un grand appel de consultation en ligne, auraient pu décider. Et donc ces citoyens, et donc ça c'est grosso modo 6000 citoyens qui participent à une consultation en ligne et qui mettent en avant trois grandes thématiques: immigration, sécurité sociale et répartition des richesses. Et ces trois thématiques-là n'étaient pas du tout celles que les porteurs du groupe avaient imaginées, puisque à la base on s'était réunis d'une part parce qu'on était tracassés pour l'avenir de la Belgique, tracassés pour l'avenir de la démocratie, mais donc dans cette consultation en ligne, ils s'étaient dit, finalement, ces deux thématiques, qui sont en fait les thématiques qui expliquent généralement le comportement électoral. Il n'y avait rien de très surprenant dans ce choix-là, mais en fait surprenant pour le groupe que nous étions. Ça, au mois de novembre arrive donc cet événement, qui ne va pas réunir 1000 personnes, mais qui va en réunir 704, on pourra en discuter si vous souhaitez par la suite. Et au même moment, et c'est là où les choses sont intéressantes, en Irlande, et l'Irlande n'est pas frappée nécessairement par une crise politique, mais surtout par la crise économique, il y a certains qui avaient peut-être placé des économies en Irlande, voire en Islande, sans souvenir peut-être. Et là, un groupe, plus spécifiquement d'universitaires, puisque le G1000 était porté à la fois par quelques universitaires, mais surtout par des gens qui n'étaient pas des universitaires, mais plutôt de la société civile au sens plus large, se disent, on doit aussi pouvoir donner la parole à des citoyens, et ils vont faire le mouvement qu'ils ont appelé « We the Citizen », qui était vraiment se dire aussi,
pour réfléchir sur les questions économiques qui nous concernent tous, eh bien, les citoyens peuvent certainement dire des choses. Le monde étant ce qu'il est, donc les gens se connaissent toujours un petit peu ou indirectement, certaines personnes de Citizen étaient des observateurs internationaux du génie en Belgique, et vice-versa. Et donc là, commencent à se faire des contacts pour des personnes qui viennent de pays différents, mais qui disent, là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à, sur une échelle relativement conséquente, puisque souvent, ben, on voit des initiatives qui étaient plutôt au niveau local, ça fonctionne. En tout cas, il y a un intérêt. En Irlande, c'est une fondation qui va financer ça. En Belgique, c'est un financement crowdfunding qui réunit quand même 300 000 euros avec différents partenaires. Donc c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, y compris de l'ordinaire participatif, même si à la fois en Irlande et en Belgique, il y a malgré tout une tradition de démocratie participative délibérative, mais cet événement-là sort un peu de l'ordinaire. Et de là, donc, je disais, on est en 2011. En octobre 2012, donc quelques mois plus tard, finalement, puisque le temps passe vite, il y a un premier workshop qui s'organise à l'Académie Royale en Irlande, organisé notamment par David Farrell. Et ce workshop coïncide avec le lancement de ce qu'on connaît peut-être mieux, de la Convention constitutionnelle irlandaise, celle qui va notamment aboutir à faire une proposition sur la question du mariage pour tous, qui va passer en référendum. Donc derrière ça, il y a quelque chose qui se fait. Donc à la suite de We Are Citizens, le Parlement, pour le coup, reprend cette idée, se dit que c'est pas si mal que ça, et en fait une convention qui sera très particulière, puisqu'elle va mêler 66 citoyens tirés au sort avec 33 citoyens élus, donc des femmes et des hommes politiques. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier à l'Irlande. Deuxième particularité, on va vraiment à ce moment-là discuter de thématiques constitutionnelles, puisqu'elle s'appelle convention constitutionnelle, avec un vrai pouvoir de constituant, en tout cas de faire une proposition au Parlement, et le Parlement s'engage à dire, si vous me faites une proposition, eh bien, on mettra ça en référendum, pour autant que ce soit légalement possible. Voilà un premier événement. Deuxième événement, assez rapidement après, on a les Irlandais et d'autres en Belgique, à l'université à Leuven et aussi surtout, et c'est là où on commence à voir un peu se dessiner le futur projet de livre, des praticiens et des politiciens au Sénat en Belgique pour discuter, non seulement un mois après le rapport final du GMI, qui a duré longtemps, je vous l'expliquerai si vous le souhaitez par la suite, parce qu'il n'y avait pas qu'une seule journée à un moment donné, il y avait aussi un peu plus long. Donc à nouveau, cette volonté de réfléchir entre théoriciens, si on veut, si on peut s'appeler des théoriciens, mais aussi praticiens, politiciens. Et donc là, on commence à se dire, si on doit vraiment réfléchir à ces questions-là, il faut qu'on sorte de notre tour d'ivoire, même si on avait l'impression d'avoir déjà mis les mains dans le cambouis, d'en parler avec des praticiens, des politiciens, des politiciennes, etc. Donc là, on commence à voir ce mélange. Qui sont d'autres invités, hormis les Irlandais et les Belges? Ben c'est les suspects habituels, donc les gens qui ont vécu la Colombie-Britannique, ceux qui ont été notamment soumis dans le Burger Forum aux Pays-Bas, donc les assemblées soyennes liées au matériel électoral, et quelques personnes habituellement qui tournent autour des questions de démocratie délibérative, comme Timo Grönlund en Finlande, donc ceux notamment qu'on retrouve dans le livre, mais pas uniquement. Donc on va commencer à nourrir un groupe de personnes qui ont la caractéristique d'être généralement des universitaires qui ont mis les mains dans le camp, qui ont organisé eux-mêmes des événements délibératifs d'une certaine ampleur. Chasser le naturel, il vient au grand galop. L'idée, évidemment, de couler ça dans du papier arrive. Et comme souvent dans notre métier, avec différents échecs, en février 2012, donc on revient un petit peu dans le temps, David Farrell et Peter Vermeersch, un Belge de la KU Leuven, font une proposition au Joint Session. Les Joint Sessions, pour ceux qui ne sont pas politistes, ça reste un de supposés meilleurs colloques dans le monde de la science politique, parce que sur une thématique, on réunit 25-30 spécialistes qui restent 4-5 jours ensemble et qui discutent vraiment la thématique. Ils font une proposition pour réfléchir à ces questions de démocratie libérative, qui ne vont pas appeler à ce moment-là démocratie délibérative constitutionnelle, mais c'est un petit peu ça l'idée de commencer à se dire, là on commence vraiment à avoir des événements à gauche et à droite, après la Convention britannique, qui sont importants. Ils ont aussi en tête évidemment le Kyrgyzstan qui est un peu particulier, mais la proposition n'est pas retenue. David est un peu du même. Un peu plus tard, un an plus tard, en mars 2013, avec Jane Sutter, qui est une autre Irlandaise qui a aussi travaillé alors sur la Convention irlandaise, on met ça. Et cette fois-ci, on rentre plus directement en disant, il y a quelque chose qui se passe dans ce qu'on est en train de voir, dans ce qu'on fait, c'est ce qu'on touche au niveau vraiment, on pourrait dire national, mais en tout cas vraiment à l'enjeu, entre guillemets, constitutionnel au sens large du terme. Et on est un peu plus modeste, on propose de faire ça au Research Session, qui est un format un peu plus petit, qui va d'ailleurs disparaître, qui est l'idée de plutôt mettre ensemble 5-6 personnes qui sont plutôt à un stade un petit peu de début,
d'un projet de recherche qui ne sont pas encore tout à fait mûrs, qui n'est pas encore tout à fait mûrs, mais justement pour pouvoir les inciter. Et là, la proposition est retenue, mais on doit l'annuler faute de combattants parce que les research sessions se passent la première quinzaine du mois de juillet et beaucoup de personnes étaient parties en vacances, donc on doit annuler, mais en tout cas l'idée y plaît et elle plaît suffisamment pour que les gens des presses de l'ICIA disent ben, cette idée-là nous intéresse, si vous creusez ça, on serait content de recevoir une proposition de votre part qu'on dépose alors en avril 2014 et qui cette fois-ci est acceptée. Et donc là, on commence vraiment à avoir pointé l'ouvrage que vous avez vu passer dans vos mains. Et alors là, on rentre dans une dynamique plus classique. En octobre 2014, on réunit les différents contributeurs, en tout cas un certain nombre de personnes, pour qu'ils puissent présenter la première version de leur chapitre et qu'on puisse les discuter. Après, évidemment, vous savez, les universitaires sont toujours lents à écrire pour essayer de leur mettre un petit peu de pression par rapport à ça. On a donc un peu, finalement, le cadre général. Juillet 2016, on y est, maintenant ça a pris du temps, parution du livre. Ce livre, si ben, vous l'avez lu, de quoi est-ce qu'il traite? Et voilà un petit peu le cœur de là où on est parti, ça vous avez compris dans un thème très, très prosaïque. Mais si on prend un peu de recul, ce qu'on s'est dit, c'est si on regarde l'Irlande, si on regarde l'Islande, dans une moindre mesure la Belgique, qui est un petit peu un cas un peu particulier, dans une moindre mesure également l'Union européenne, il y a véritablement, entre guillemets, au sommet de l'État, pas nécessairement une volonté, mais il y a quelque chose qui bouge, ou dans certains cas, c'est le cas d'Irlande et d'Islande, on est prêt à réfléchir à la constitution, à ce qui fait qu'on vient ensemble à cette loi fondamentale, pas uniquement avec des constitutionnalistes, pas uniquement avec des personnes élues, mais où on essaye de faire rentrer des citoyens, entre guillemets, ordinaires. Et là, pour nous, c'était vraiment quelque chose qui nous semblait être intéressant, qui était différent de ce qu'on avait vu ailleurs, et où on va oser, mais vous voyez, il y a un point d'interrogation malgré tout, où on est en train de se dire, est-ce qu'en Europe et plus généralement dans le monde, on n'assiste pas à une sorte de tournant de démocratie constitutionnelle? Et donc là, c'est l'objet évidemment qu'on peut en discuter, mais donc c'est un petit peu notre intuition. Je vous ai promis de vous dire ce qui n'a pas dans le livre aussi, c'est aussi un élément un peu marketing d'une certaine façon, évidemment. Moi, je ne suis pas nécessairement convaincu qu'on assiste à un tournant de constitutionnel au niveau de la démocratie délibérative, mais il y a quand même malgré tout des frémissements, c'est ce qu'on a voulu aborder. Et on a voulu l'aborder de deux façons. C'est ici. Une première façon de le faire, c'est de regarder véritablement des choses concrètes qui sont passées. Et c'est là où on va s'arrêter en Irlande, en Islande, en Belgique. Et je reviendrai sur l'aspect européen par la suite. Donc ça, c'est le premier élément. Et un deuxième élément, c'est de se dire, prenons du recul par rapport à ces cas-là. Et donnons la parole à des personnes qui peuvent peut-être ne pas être convaincues qu'on assiste à un tournant, mais qui puissent réfléchir alors d'un point de vue théorique sur base de leur expérience par rapport à ça. Et l'ouvrage, alors sans trop de surprise, va être divisé en deux grandes parties qui n'affichent pas très clairement, mais que je peux montrer ici. Le début est justement en fait de ces cas-là. Et donc de dire aux personnes qui étaient véritablement dans l'expérience, parce que en fait c'est elles qui l'ont organisé, de leur donner la parole tout en étant critique, mais de pouvoir expliquer véritablement ce qui s'est passé de l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a un chapitre donc, sur l'Islande. Eric Urbain n'a pas, entre guillemets, organisé, mais il était une des 25 personnes qui ont été élues, en fait. Vous le savez très bien, dans le mécanisme islandais, il y a eu une grosse convention à un moment donné, et puis il y a eu une plus petite convention avec 25 personnes, qui était sur base d'une élection, donc ça c'était intéressant, mais qui n'étaient pas des personnes élues par les partis politiques, mais des gens un peu partout. Si ce n'est que les personnes de partout, c'est quoi? C'est les gens un peu connus, donc notamment lui, professeur de sciences politiques. Donc voilà Eric Oberman qui a vécu les choses à l'intérieur, donc qui raconte ce qui s'est passé au niveau de l'Islande. Donc à la fois, c'était ce regard de théoricien qui a mis les mains dans le cambouis. L'Irlande, James Clerk, David Farrell, Claude Harris sont des personnes qui étaient chargées, donc qui avaient imaginé le processus que je viens d'expliquer de We the Citizen et qui ont été repêchés alors par le Parlement pour être ce qu'ils ont appelé finalement le comité scientifique et juridique de la Convention constitutionnelle. Donc ils n'ont pas, si on veut, n'étaient pas les organisateurs principaux, mais ils étaient un petit peu les méthodologues d'une certaine façon. Pour la Belgique, et là ça mérite de s'arrêter deux secondes supplémentaires, donc les deux premiers cas sont assez explicites, on est vraiment bien un exemple de cas où il y a un processus délibératif qui a comme enjeu la Constitution. Ce n'était pas du tout le cas de la Belgique, puisque, je vous l'ai expliqué, c'était quelque chose de très bottom-up, où personne n'avait demandé quoi que ce soit, et en particulier les hommes et les femmes politiques qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord, donc eux n'avaient rien demandé. Donc il n'y avait aucune chance, d'une certaine façon, qu'il y ait une réforme à la Constitution suite à ça.
Pourquoi est-ce que ça a été ajouté? Deux raisons. Première raison, parce qu'on faisait partie de la bateau de réflexion, on se disait c'est quand même pas mal de pousser notre cas d'une certaine façon. Mais l'autre raison, et c'est pour ça que le titre est celui-ci, c'était le G1000 qui n'avait pas été demandé par personne, mais qui venait vraiment du bas, a eu des répercussions plus larges que ce qui n'était attendu. Quelles étaient ces répercussions? Pas en termes législatifs. Il n'y a aucune loi qui était influencée ni quoi que ce soit par l'idée même de ce qui avait été dit au G1000. Donc en termes de contenu, l'impact est relativement nul. Par contre, en termes de procédure et de se dire est-ce que la démocratie ne pouvait pas s'organiser différemment, ça y avait un impact. Dans un premier temps, au niveau de quelques parlementaires, progressivement au niveau des partis, et si le G1000 se tient en 2011, si on compare les programmes électoraux de 2010 et de 2014, on voit qu'il y a un frémissement de démocratie participative / délibérative qui apparaît. Et ça, à nouveau, on ne peut pas en être sûr pour 100%, mais le G1000 a certainement contribué à faire ce débat-là. À un tel point qu'aujourd'hui, et c'est pas dans le chapitre, différentes assemblées belges, puisque la Belgique n'a pas souvent un gouvernement, mais quand il y en a un, il y a beaucoup de parlements, il y a plusieurs parlements qui sont en train de réfléchir à organiser des panels citoyens. Et donc, pas nécessairement au niveau constitutionnel, mais là, on est vraiment à un niveau où des institutions, dans une perspective top-down, disent, sur certaines questions, on va demander l'avis de parlements. Vous le savez peut-être aussi, on a évoqué tantôt David Van Reybroek qui proposait un Sénat mixte, en tout cas tiré au sort, au moins partiellement. Différence de mes fans politiques en Belgique, généralement de l'opposition, on dit ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée d'y réfléchir. Donc on voit qu'il y a quelque chose, c'est pour ça qu'on a pris bon de rajouter le G1000 dedans. Et il va y avoir normalement un chapitre 5 sur l'Union européenne. Et ça, c'était intéressant pour nous parce qu'on regardait notamment les initiatives citoyennes européennes. À nouveau, on ne peut pas dire qu'une initiative citoyenne européenne a le pouvoir de changer la conscience au sens matériel de l'Union européenne, mais ça amenait quelque chose de nouveau, ou en tout cas ça avait le potentiel, et on s'était dit, ça mériterait d'être exploré. Mais, ce qu'on s'est vite rendu compte dès le workshop de Louvain-la-Neuve en octobre, et puis par la suite, et finalement le coup près tombé au moment où les évaluateurs ont lu le livre, c'est de se dire, les ICI, c'est pas délibératif. Et donc, on n'est pas convaincu. Il y a quelque chose qui manque. On comprend bien l'idée que ça peut rentrer dans une idée plus généralement d'un système délibératif, mais là, pour le coup, ça ne va pas. Et donc, malheureusement pour les deux auteurs qui avaient travaillé, et malheureusement pour nous, l'idée était de dire il vaut mieux avancer sans ce chapitre-là. Et donc, c'est pour ça qu'il a disparu. Mais donc, c'est un petit peu ça l'idée, donc d'avoir quatre cas de réflexion pour venir nourrir alors une deuxième partie, qui serait de dire, partant de ces cas-là et d'autres cas possibles, c'était notamment le cas de Timo Grönlund qui a beaucoup travaillé au niveau de la Finlande et de panels là-bas, de dire, ces gens-là qui sont, vous les connaissez pour un certain nombre d'eux, des personnes qui ont un petit peu de recul par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils peuvent en dire si on leur dit, regardez un petit peu ça, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe au niveau constitutionnel? Brigitte Gaïzal et Samuel Galvina, qui sont des gens qui sont dans un Francfort, rentrent souvent sur cette question-là par l'aspect un peu innovation démocratique. Dans le livre, ils ont fait un tableau qui est intéressant, qui est de dire, comment est-ce qu'on peut évaluer la légitimité des innovations démocratiques? Ils ont regardé différents auteurs et ils disent, en fait, quand on regarde les différents auteurs, tout le monde n'est pas d'accord sur les facteurs à regarder. Nous, dans le cas du livre, on avait dit, il faut regarder au niveau de l'input, c'est-à-dire qui participe, comment on vient à l'ordre du jour, est-ce qu'il est ouvert ou pas, donc la question d'entrant. Il faut regarder au niveau du throughput, du processus, comment est-ce que les gens discutent, comment est-ce que ça se passe, est-ce qu'on vote, etc. Et au niveau des outputs. Mais d'une personne à l'autre, ça peut un peu varier. Donc ils disent, il faut regarder un petit peu, de manière un peu exhaustive, ce qui s'y passe. Et alors, dans ce cas-là, ils ont évalué alors les différents cas étudiés ici. Julien Talpa, c'est probablement celui que vous connaissez le mieux, avec son expérience, a regardé ça aussi en se disant, finalement, il y a quelque chose d'hybride dans tout ceci, qui mérite d'être regardé. Et il a un chapitre alors qui mélange théorie et pratique pour essayer de mettre en perspective ces différentes initiatives. Timo Grönlund amène dans un premier temps 5 mini-publics, puisque lui c'est un petit peu le spécialiste, et dans la même série que le livre a été publié, il a fait avec André Bartillière et une autre personne un ouvrage sur les mini-publics. Regarde un petit peu en quoi est-ce que ces mini-publics peuvent finalement contribuer à cette démocratie constitutionnelle, puisque un des grands désavantages des mini-publics, c'est pas tellement leur qualité démocratique, délibérative interne, mais c'est leur lien en fait avec le macro-public, si on veut, donc c'est la question de l'augmentation, en anglais on va dire scaling up, et là il réfléchit par rapport à ça, donc en disant il faut regarder à la fois les publics, il faut regarder ça. Stéphane Domestre, lui on lui avait demandé d'intervenir sur l'approche qui a maintenant déjà quelques années, de dire la démocratie libérative elle est dans sa xème génération, et on était une génération considérée comme un système en fait, en disant peut-être que tout n'est pas délibératif,
probablement que la démocratie partisane n'est pas très délibérative, mais certains vont dire, et c'est, donc ça c'est le livre de Menzouille et Karen Parkinson, si à côté de ça il y a d'autres éléments délibératifs, c'est l'ensemble qui nous intéresse. Et donc, lui regarde un petit peu ça, notamment il va regarder aussi du côté des médias, puisque une des difficultés par rapport à ces différents cas-là, ben, c'est la couverture médiatique. On se rappelle aussi que, notamment en Ontario, sur l'Assemblée électorale, dans le livre de Fournier et co-auteur, ils montrent très bien que les médias ont largement critiqué le processus. Et qu'au final, peut-être que les gens n'étaient pas nécessairement d'accord avec l'idée, mais les médias ont franchement tout mis à la poubelle, donc ça n'a pas aidé. Donc là, il y a eu un enjeu. Et alors, on avait demandé, enfin, à Parkinson de prendre un petit peu le recul de tout ça. Parkinson, qui avait écrit avec James Mendrich l'ouvrage sur les systèmes délibératifs, de voir un petit peu où on en est et d'essayer de remonter en généralité. Voilà donc comment l'ouvrage s'est constitué. Donc je vous le lis. On peut évidemment discuter de tout ce que vous voulez à partir de ça, mais ça me semble être utile de pouvoir expliquer d'où venait tout ça. Ici, j'ai repris, et dans l'invitation pour ce jeudi-ci, ben, quelqu'un a gentiment traduit ceci de l'anglais vers le français. On a été surpris, donc c'est pas nous qui avons demandé à ces différentes personnes-là d'écrire ces gentilles paroles, mais donc on était d'une manière surpris de dire que c'était finalement un livre intéressant. Bah, comme toujours, c'est un petit peu de l'exercice gentil, et donc la plupart des gens ne critiquent pas, ou peut-être que l'éditeur filtrerait. Donc c'était intéressant de voir des gens, malgré tout, qui sont quand même bien dans le spectre, de dire, d'entendre ça. Donc ça, c'était un élément, mais que vous avez pu voir dans l'invitation. Et alors un autre élément, et Dianis qui est ici est au courant, de là, est toujours dans cette idée de se dire, si vraiment les choses doivent bouger, et c'est ce qui caractérise un petit peu le groupe de personnes qui a travaillé sur l'ouvrage, c'est à la fois des universitaires, on ne payait pas des universités pour réfléchir, mais aussi on était des praticiens. Et donc on a toujours un petit peu ce côté activiste, qui est toujours très, très embêtant d'un point de vue de notre activité axiologique d'une certaine façon. Mais on s'est dit, si vraiment les choses doivent bouger, il faut qu'on parle davantage, non seulement entre nous, mais ça on le fait quand même souvent, mais aussi avec des praticiens, mais aussi avec des hommes et des femmes politiques, mais aussi avec des journalistes. Et on s'est dit, là, il y a une question très otage, et ça c'est de la pub pour eux, c'est certainement pas pour moi. Il y a une ASBL internationale qui est basée à Bruxelles, qui s'appelle COST, qui en fait finance du réseautage. Donc ils ne financent pas de la recherche, ils financent du réseautage. J'ai mis un certain temps à comprendre ce que c'était vraiment, mais donc c'est une ASBL internationale qui est basée à Bruxelles, donc qui n'a rien à voir avec l'institution européenne, si ce n'est qu'ils sont financés dans le cadre Horizon 2020 et des autres financements. Donc c'est bien du financement européen, mais l'ASBL est très différente des institutions européennes, et leur objectif, c'est de faire du réseautage universitaire, mais aussi industriel, etc., plus large. Et vous, si vous allez sur vous allez voir qu'ils financent des réseaux aussi bien contre le cancer que dans les médicaments, que dans beaucoup de choses. Il y a 6 mois, on avait soumis une première proposition, on a re-soumis une deuxième proposition. Le but, comme on le lit ici, là, c'est vraiment de dire, il faut au niveau européen, et on a des partenaires en Australie, au Canada, aux États-Unis, ailleurs, de mettre ensemble les acteurs. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent très intéressantes, mais on n'arrive justement pas à tout savoir. Donc là, il y a un enjeu de mise en commun, de portail finalement d'informations disponibles, mais aussi de pouvoir vraiment se rencontrer, de s'échanger les pratiques, etc., et d'aller plus loin. Est-ce que ça va être financé? J'en ai aucune idée. Je l'espère évidemment, mais donc voilà une opportunité. Et donc l'appel est double, à la fois si jamais ça se réalise, ben, n'importe qui peut se joindre, et c'est ça qui est très particulier avec le COST, c'est qu'on perd en fait la main. Et donc l'ensemble de la proposition est anonyme, donc on est évalué de manière anonyme, donc c'est pas du tout une question de réponse ou de podcast. Et pendant les 2 premières années, tout qui veut rentrer dedans peut rentrer dedans. Et donc pour nous qui sommes des démocrates, ben, ça ne devrait pas nous poser de difficultés, mais c'est toujours très surprenant, et donc on perd un moment le contrôle. Après évidemment, il y a des jeux de pouvoir et d'influence comme partout, mais donc ça c'est quelque chose de très particulier au COST, c'est de dire, on va sélectionner ce qu'on pense être les meilleurs réseaux à l'heure actuelle, et on dit à tous ceux qui veulent venir, qui peuvent aller dedans, ils doivent dire aux gens, ben voilà, je veux rentrer dedans et inviter. Donc ça c'est un petit peu l'idée, ça c'est une première invitation. Deuxième invitation, rien n'empêcherait sur d'autres sujets, voire même le sujet lié à la démocratie, que vous fassiez une proposition, c'est grosso modo 2 appels par an, donc tous les 6 mois. Donc le dernier appel s'est clôturé le 7 décembre, si je me souviens bien. Donc il y aura un prochain appel en mai, probablement prochain. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à dire, ne sachant pas qui vous allez être. Je vous ai dit que Jean-Michel nous a rejoint, donc je ne sais pas si